Bonjour la famille. Comment allez-vous ce matin? Moi j'ai fini de manger. Bon appétit, Shiga. Il y a du saumon qui n'a pas beaucoup. Si ils en ont remis là-bas. Ils en ont remis. Après, ils en remettent au fur et à mesure. Ils en ont mis. Il est excellent ce saumon. Il est trop bon. Bonjour. J'en ai mis mon chapeau. Mmh. Tu as le chapeau, tu manges. Comment on va? Je te dis. Histoire que tu as le chapeau, tu manges. Bonjour, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Bonjour, Christian. Ça va? On est au brunch. Nos amis là, avant qu'ils ne reprennent la route, faut qu'on mange un peu. Je vous montre. Attendez, je vous montre. Le brunch. Il n'est pas lourd. Votre diamant bleu. Tu peux demander au serveur. Demande-leur de l'eau. Mm-hmm. Tu demandes même une carafe ou une bouteille, comme tu veux. Le brunch. Voilà votre diamant bleu qui va se servir. Voilà. Elle mange bien avant de reprendre la route. Le brunch. Au Radisson Blue. Le Radisson Blue. Bon appétit, Reine Mère Bio. Merci. Reine Mère Bio, elle prend aussi son petit déjeuner. Mmh. Hein? Des forces avant de reprendre la route. Mmh. Et penser à demain, parce que demain c'est déjà c'est déjà le départ, et puis pour repositionner toutes ces choses là dans la tête, hein? Mmh. C'est tout. Regardez la musicienne, la chanteuse, oui, elle marche doucement mais sûrement, hein? Ouais. Vous voyez pas les petites femmes là, vous croyez que une petite femme là. Petite femme forte. Doucement, mais ça descend bien. Eh, hey, diamant bleu. Diamant bleu, diamant bleu. Un endroit mythique. Le Radisson Blue. Quand même arrivé là, c'est là où on va voir quelque chose. Mmh. Mmh. Non, regarde seulement. Ouais, mais pourquoi le monsieur là, il bloque peut-être tout le monde? Ah, il dit que non. Il dit non, qu'il ne veut pas. Non, pourquoi? Donc il veut travailler moi. Voilà les problèmes. Pardon. Non, c'est bon. Réservé pour eux. Après, il y a d'autres gens qui s'accumulent. Ah non, en fait... Je suis désolé, là, moi, ces tables-là, normalement, elles sont réservées pour 14h35. Moi, j'ai fini, je peux me lever si vous voulez. Non, mais c'est pas ça, c'est que vous comprenez ce que je veux dire. Vous me dites 3-4, là, il y en a une autre non, personne qui arrive. Non, la réceptionniste, tout le monde est logé ici à l'hôtel. On était tous à l'hôtel, oui, en fait. Oui, je sais, mais moi, ces tables, elles sont réservées. Mais on peut ne pas rester là, en fait. Non, mais vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Je comprends très bien, mais seulement, j'avais dit à la réceptionniste que nous étions 5. C'est ce que je lui ai dit à la réceptionniste. Moi, vous m'avez pas c'est dit ça. Moi, je parlais à la réceptionniste. Oui, je sais, mais moi, la réceptionniste m'a pas dit ça non plus. C'est pour ça que ça m'embête. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on fait là? Maintenant, moi, je vais me débrouiller. Je vais essayer de redresser les tables pour après. Ils n'arrivent pas encore. Ça devrait aller. Hein. Moi, j'ai terminé. Il peut prendre ma place. Non, non, non. Restez assis. Je peux aller de l'autre côté. Oui, moi, ça m'embête parce que si des gens qui arrivent. Ne vous embêtez pas. Nous, on n'est pas compliqué. Il peut prendre ma place. Moi, je vais attendre de l'autre côté. Non, non, mais vous allez rester avec vos amis. Vous n'allez pas aller là-bas et puis à côté à droite. Hein. C'est pour vous faciliter la tâche. Je vais trouver autre chose. Vous comprenez, je suis dans l'embarras. Je comprends très bien. Non, vous avez bien compris, monsieur. Je comprends très bien. Ne vous inquiétez pas. Là. Maman,
Hey, il y a un jeune. Amen, j'ai même le mplakata. Hey, amen. Moi, je gère. Merci beaucoup. Et dit qu'un. Ah, vous m'avez pas dit, mais je suis dans l'imbéreux. Il travaille stressé ou quoi? Oui, il est super stressé. Oh mon Dieu. Je peux faire une petite bercée? Oui, oui, vous pouvez, merci. C'était vraiment bon. Tenez. Merci, merci. Vous êtes régalés, mesdames, c'est parfait. Merci. Le travail étant stressé, merci. Ben... Ça, là, ne le sait pas bien, nous, on peut le faire. Qu'on peut faire ça à son camarade. Amen. Maintenant, il mange au moins. Il faut qu'il mange dans les gandas. Hein. On n'est pas camarades. Bon, montre ce que je suis en train de manger maintenant. Que je me suis... On n'est pas camarades. Ouais, maman Pépé. Vous voyez que je ne suis pas. Mais tu es pas dans les. Mais montre ce que maman Pépé mange. On n'est pas parce camarades. Parce qu'ils ont parlé de camarades. Que je dis qu'il faut que montre ce que je suis en train de manger. Est-ce que vous savez même pourquoi je l'ai appelé camarade? Je l'ai appelé camarade. Est-ce voici la sette de diamant bleu, s'il voilà. Vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. De crevettes. Et je tiens bien la fourchette de à la main gauche. Ma bébé. Ma bébé. La vie, c'est elle. La baroque aussi, vraiment. La vie, c'est un tour. C'est de ça qu'il s'agit. C'est tout. Ça. Est-ce qu'on revient ensemble? Mais quand on va te servir à la maison. Il est 13h. Non, il est 13h42. Mais hier, tu avais. Moi, je passe le couvrir. Quand il y a un petit monde là, il y a quoi? Vous avez un enfant qui vous attend là-bas? Non, quand il conduit le matin, après, quand il conduit le matin, j'aime quand mon ventre est mangé. Ah, mais franchement, tu peux manger. Voilà. Non, il y a quoi de plus? Alors, on n'emballe pas ici. On ne peut pas emballer ici. Mais quand elle vient dans les. Je dis là, quand tu viens là, il y a la chope encore, les trucs là, que j'ai pris là. Mais quand tu. Non, on a les trucs là-bas. Oui, mais ça me passe. Non, pour moi, il y a une tête donc. Il y a un ton croissant. Il y a un ton. Non, il faut pas stresser à mer. Il y a un jus d'orange. Tu vas t'arrêter. Quand il conduit. Pour que je n'ai pas de. Non, pas de problème. Non, maintenant, une heure, tu t'arrêtes. Non, mais tu pas un jus. Okay. Quand il prend la route, c'est jusqu'à la route. Voilà, comme ça. Oui, et que non, mais ne pose pas le temps. Va manger. Non, tu peux pas prendre la route, le ventre, lui, c'est comme... Maintenant, là, oui. Et moi, je leur ai dit là-bas que Amel Kamen, j'ai dit que Amel Kamen ne vient pas ici emballer. Amel Kamen n'emballe plus. Il emballait avant. Le nom de Dieu, là, il ne va pas emballer. Non, il emballait avant. Il n'emballe plus maintenant. Est-ce qu'il n'a pas assez de place dans son estomac? En fait, là, Amel Kamen, il sent qu'il n'a pas encore bien les gens, là, comment ils regardent Amel Kamen. C'est-à-dire que quand tu es dans les milieux, genre, c'est-à-dire que les gens, ils nous prennent seulement pour un genre, vraiment... Moi, je suis habitué. Mais comme là, ici, on est les seuls noirs. Hein. Et ils sont là, plein, les bobos. Ici, c'est le milieu des bobos. Donc, là, ils nous voient une table de noirs. Ils sont là, nous regardons un genre. Les Nantais sont trop bobos. C'est des gens. En fait, ici, là, ils me font rire. On a une seule table de noix et là-bas c'est que des bobos de machin genre. Et ils nous regardent genre là. Tu sais la mayonnaise, c'est fait des gens. Oui. Comme si on était perdus. On s'est perdus en fait. Non mais je fais. Je suis un cuistot, hein. Je cuisine pour 600 personnes. Et les autres là, ils ont fini de manger, ils sont assis, ils ne font rien. Au lieu de débarrasser les tables, ils ne disent rien. Ils viennent nous mettre la maison avec mes invités. Maman. Elle m'a bien dit qu'elle aussi, elle est traiteur. Oui. Tu es traiteur, tu ne peux pas combler les personnes. 600. Je ne peux pas tuer les 600 personnes. Je te dis, ce n'est pas la blague. Je fais des banquets de 600. Et tu dresses aussi. Et il comme ça là. Mais là, il y a dit, mais oui. Je ne peux pas me battre mon Japon. Écoutez, il y a le Japon. Elle m'a bien dit qu'elle est en train de poser. Elle m'a bien dit qu'elle fait la nourriture, elle est traiteur. Tu peux la mettre en tube pour 600 personnes. Tu dresses aussi. Terriblement. À domicile. Oui. Mais je ne vais pas cuisiner à la maison comme Gontouma s'est transformé en cuisinière. Non, n'emmenez pas. Mais moi, respectez ma vie, s'il vous plaît. C'est ça qu'elle a demandé, tu dresses. Parce qu'elle est venue à cette. C'est elle qui m'a amené là-bas. Mais sinon, en temps normal. Non, mais tu dresses. Non, je ne dresse pas. En temps normal, ma pépé, je cuisine. Tu comprends. Je fais même des tables. Oui, des tables de boucher, des mises en bouche depuis des années. Respectez mon petit déjeuner. De combien de personnes? Tu peux faire le repas de combien de personnes? 600. Mais pourquoi tu ne dresses pas? Ma pépé, dans autre chose. Elle veut m'amener. Moi, il demande si je ne dresse pas. Dresser la table. Oui, dresser, non. On dit que dresser, non. C'est quoi le dresser? À cheval, pour qu'on dresse à cheval, pour qu'on dresse en boule. Ah, tu vois, à dresser. Pour qu'on dresse en boule, on dresse le chien, non. On dresse le chien. Est-ce qu'on dresse la table?
Je sais pas. C'est pour je sais quoi. Non, c'est une interprétation là. Je sais, peut-être c'est je sais. Moi, je te demande parce que je ne connais pas. Tu vois. La fossile, ma je bébé. Sais pas, il faut aller voir. tu mets 20-44. Mmh. En minuscule, en majuscule, ah, bon, tu vois si ça marche encore. Si ça marche encore, c'est que c'est bien. Puis le webmaster, s'il n'a pas enlevé. Maman, regardez la peau de votre lutabos sans make-up. La peau est plus belle sans le fond de teint. Oui, oui. Non, donne. Franchement, tu n'as pas besoin. Trop belle peau. À la lumière du jour, sans rien. Trop belle. Je mets quand même mes lunettes parce que... Mets tes lunettes, ouais. Le swag. Non, où sont mes lunettes, là? Où sont mes lunettes, là? Bon. Mes lunettes de soleil. Non, on veut savoir, tu dresses. Non, je dresse, je fais tout. D'accord, tu penses que je fais en buffet de nourriture, oui. Donc, tu peux même les mises les en bouche, toutes sortes de choses, les tables de... Oh. Voilà, ça c'est un repas de sportif. Tu vois, les protéines. Les protéines, c'est ça. Moi, tu sais il y a le piment, hein, mais où tu veux le piment? Non, là c'est les protéines, c'est parfait. C'est parfait à mettre à l'air. Amère mange le piment, il ne boit pas l'alcool, il ne fume pas. C'est bien ça. La raison. Son jus préféré, c'est... Le jus d'orange. Non, comment on appelle ça? C'est... Pamplemousse. Je dis, hein, le réceptionniste, là, il me met la pression que les tables sont réservées, mais je ne vois personne arriver. C'est quoi? Maman. Il veut garder ses tables sans que personne ne mange. Et je lui dis... Non, non, tu ne réponds pas. Il ne faut pas répondre. Je réponds moi-même. Et si tant que j'appelle son directeur là-bas en haut... Oui, c'est ça. Le directeur qui faut appeler. Ce petit salarié-là, il vient mettre la pression à mes invités ici, là. Merci beaucoup, oxygène. Pourquoi? Oui, mais c'est pas ça le problème. Il va te basket. Hein? Pour les laisser, c'est les aigris, les jaloux. Non, je vous ai dit, les gens là, ils sont comme ça. Mais ils sont jaloux. Mais c'est la couleur de la peau en fait. C'est la couleur de la peau ajoutée à plein de trucs. Le réceptionniste, là, il me met la pression. Quand je vais sortir, je vais lui dire un mot quand même. Avec confiance. Je vais lui dire un mot quand même. Et je vais lui dire que je vais envoyer un commentaire sur... Il ne peut pas se permettre... On ne peut pas prendre 3 chambres, 2 nuits à un prix exponentiel, demander une table de brunch et venir me mettre la pression quand je suis à table avec mes invités. C'est pas possible, ça. C'est pas du tout commercial. Ma bouche ne laisse pas. Non, je vais lui dire 2 mots quand je vais sortir tout à l'heure. Je vais lui dire ça tout de suite même. Regarde, les tables sont vides. Ces gens ne sont pas encore là. Et il ose dire que oh machin, etc. et tout. Et il préfère avoir des tables vides, même si les gens ont réservé. Les gens qui sont là, on les prend. Il me dit, je prends le risque. Il prend le risque, mais pour l'instant, je ne vois pas encore les gens. Non, pour l'instant, je ne vois pas encore les gens qui ont réservé, qui ne sont pas encore arrivés. Et en plus, nous sommes clients de l'hôtel quand même. Non, je vais lui dire ça tout de suite, voilà. En sortant. Il ne faut peut-être pas déconner. Hein. Faut pas déconner, qu'est-ce parce que c'est si ça? C'est pas très commercial. On peut pas prendre 3 chambres, 2 nuits, à un prix pas possible. Même si vous avez des tables de réservées, hein, vous pouvez passer un coup de fil aux personnes qui ont réservé, parce qu'ils prennent toujours un numéro de téléphone. Et là, on va finir de manger, il n'y aura pas encore ces gens qui ont réservé les tables. Non, ça veut dire c'est n'importe quoi. Parce je vais lui dire 2 mots quand je vais sortir. Là, parce que moi, je n'ai pas envie de dire quelque chose. Parce que si je dis quelque chose, c'est pas bon. Il faut que tu lui dises ça. C'est bien ça, ma bosse. Ne laisse pas. On ne manque pas de respect à ton ambassadrice humanitaire. Donc, moi, je vais encore. Maman. Tu as bien le nom d'intégration. Il t'aime bien. Amen. Elodie, je t'ai bloqué. C'est que tu as mal parlé là-bas, c'est pour ça que je t'ai bloqué. Même si je n'ai pas encore été bloqué, Elodie, attention, c'est la bosse. Mmh.
Non, les whites là, parfois ils sont énervants, franchement. Non, mais moi je vais lui dire, je peux pas ressortir d'ici sans lui dire ça. Et je vais envoyer un courrier au directeur de ce Radisson Blue. Radisson Blue. Je peux quand même pas avoir une carte Radisson Blue mondiale, venir à Nantes inviter mes gens et il vient me parler d'une table qui est réservée alors que je ne vois même personne arriver. Amen. C'est quoi ce bordel? Tu veux pas les points? Tu veux pas les points d'ici? Elle a la carte d'ici. Ouais. Tu veux pas les points? Quand tu viens ici à Nantes, tu peux viens ici à l'hôtel sinon. Celui qui a parlé un genre là, je te bloque. Moi je bloque vite. Hein. Confiance à ma bouche. Donc vous croyez que si vous avez venu parler, va vous le laisser. Va vous casser le cou. Ah. Mais si c'est bon, arrête. Ouf. On a le gombo. Oh, merci la gouta, je suis bien mangée. Petit fromage. Hein? Fromage. Du parmesan? Du parmesan, je pense. Non, c'est pas du parmesan. Ça, c'est... Je pense que c'est un fromage. Ma papa regarde le ciel. J'ai dit parmesan. Et non, c'est pas du parmesan, ça. Peut-être le bouddha, genre? C'est du gruyère? Non. Non, c'est pas du gruyère. Peut-être le bouddha? Le camembert. Non, c'est pas ça. Je te dis que c'est le camembert. Pas le camembert, quand même. Pas, non, le, c'est camembert, pas le camembert. Okay. Seulement l'alentour de ça. Non, en fait, le camembert, c'est pas une pâte dure. Mm-hmm. C'est comme du bouddha, mais c'est comme du parmesan. Vous voulez dire que c'est le camembert? Non, le camembert sent pourri. C'est ça, ça sent pourri. C'est peut-être le comté ou. Ça sent pourri, ça. Ça sent le comté. Ou le thom. Ça sent mauvais. Oui, mais c'est normal. Le camembert est plus pris que ça. Quand c'est vieux, ça sent. Le camembert est plus pris. Moi, j'ai plus le fromage de chèvre. Moi, je mange le fromage. Mais il ne faut pas sentir. Moi, j'ai plus le fromage de chèvre. Si tu sens le bobolo, c'est comme ça que les blancs sentent le bâton de manœuvre. Ouais, c'est ça. Mais j'ai vu tes fruits, les produits de chien. Ah, bon. Tu fais l'intolérance au lactose. Ouais. Mais tu prends le lactose free. Je prends le lait d'amande, le lactose. Plein de gens. Non, je beaucoup. Lait, Alphonsine, il faut débloquer Alphonsine. Il y a mes gens là ici que j'aime bien. Qui? Alphonsine, bête et bête. Et tu débloques aussi. Toi, chérie de mon cœur. Christian de Monaco. Maman, j'ai cherché son nom. Alphonsine, bête et bête, pardon, il faut la débloquer. J'ai bloqué 55 000 personnes. Oui. On fait comment? Bon, quand tu vas commencer à regarder pour le déblocage, tu vois. Amérique m'a dit qu'elle est ramée. Si tu vois Alphonsine, tu la débloques sur le. Quand tu bloques quelqu'un, tu te rends compte de l'important de ta part. Non, mais il faut débloquer. Quand tu ne bloques pas, tu ne veux pas comprendre. La honte que tu fais maintenant, c'est qu'elle va créer un groupe qui fait pour débloquer. Parce qu'ils insultent souvent pour rien, même ces gens-là. Ok, Alphonsine, toi chérie de mon cœur. Alphonsine, je ne t'oublierai jamais. Maman, pépé, toi, hein. Ouais, Seigneur. Alphonsine, toi chérie de mon cœur. Alphonsine, je ne t'oublierai jamais. Tu vois, Alphonsine, on chante en ton honneur, ma chérie. Oh là là. Joyeuse pas quand Alphonsine que vous voyez là, toute sa famille prend le goutadion jusqu'au Cameroun. S'ils sont 15 dans la famille, les 15 prennent le goutadion. Sa sœur est. Hein? Elle est médecin sans frontières. Que tu dis que tu elle a sauvé une petite fille au Rwanda Mario, avec une seule boîte de goutadion. Une petite fille qui mourait dans la main de sa mère. Qui avait un système immunitaire complètement affaibli. Sa soeur a donné pendant une semaine du glutathion à cette petite fille là-bas au Rwanda. Trois gélules pendant une semaine. La petite fille a commencé à s'asseoir. Et les autres semaines, les autres jours, elle donnait une gélule. En un mois, la petite fille a recommencé à jouer dehors avec ses camarades. Oui. Là. Moi, mon entrepreneur, il a vraiment un système immunitaire. Quand je suis arrivée, parce que j'ai un travail que je veux qu'il fasse pour moi, et je lui ai parlé. Là, il a la grippe depuis 7 mois, genre. Oh.
Donc, je veux qu'il m'installe des poupes. Tu vois le plafond comme ça? Non. Tu vois les bims là? C'est des bims qui passent à traverser le plafond. Moi, je veux qu'il me mette des j'ai fait monter du bois bien fait en maroc, qu'il me chauffe ça sur les bims. Ça fait longtemps, j'attends. Et l'entrepreneur, l'autre jour, il m'appelle, je lui dis qu'il a toujours grippé. Depuis 6 mois, il a déjà pris 7 grippes, genre. Je comprends pas. Je lui ai dit, mais écoute, ton système immunitaire est faible. Je vais payer du glutathione. Et oui, il est venu à la maison hier. Il a cherché, il a pris le glutathione. Il a acheté. Je lui ai dit, tu vas me dire dans une semaine. Il a pris seulement la première journée. Il m'a déjà fait un message. Que je me suis levée le matin, je lui ai dit que je te dis là, on ne se rend pas compte comment notre système immunitaire, avec le temps, devient de plus en plus faible. Et les aliments que nous mangeons, par jour, non seulement c'est génétiquement modifié pour d'autres, pour la plupart, mais par jour, nous ne pouvons pas absorber la quantité de vitamines qu'on a besoin dans chaque aliment. Non. Pour avoir un gramme de bêta-carotène, c'est-à-dire pour réussir à avoir le concentré d'un gramme de bêta-carotène, il faut un plateau de carottes. Bien sûr. Comment tu vas faire pour manger un plateau de carottes quand tu peux manger juste une carotte? Impossible. Et une carotte, tu n'as même pas 0,0001 mg de carotte. Dans les suppléments, c'est ça qui est la... Oui, c'est ça. C'est ça la solution. C'est que moi, au jour d'aujourd'hui, avec cette vente, j'ai vraiment... C'est tabou, ça, elle a gardé la tenue. Oui. Ah, mais quand même, regarde ça, non? Ouais. Prends ça là-bas derrière. Il faut lire les étiquettes. La vitamine C, elle ne boit pas ça n'importe comment. Par contre, moi, il boit 2 fois par semaine. 5 ml de chaque tous les matins. Non. Pas par de chaque. La vitamine C, tu peux prendre 3 fois par semaine. Lui, il peut supporter 10 ml, c'est 2 ml. Et comme tu es un sportif, c'est bon. Voilà, 10 ml de chaque. Tu comprends, non? Le premier verre, en fait, dans un verre d'eau, dans un verre de jus d'orange comme ça, l'argent. Mais ma bosse, tu nous as donné ce qui est cher. Pourquoi tu nous as pas donné ce qui est moins cher? Ok, maman Pépé. Ta bosse te met en haut, toi tu veux être en bas. Eh, maman Pépé. Tu sais que tu n'es pas n'importe qui pour ta bosse. Elle est comme le prophète. Non, moi, ici, elle dit que ma bosse nous a donné ce qui est cher. Elle ne peut pas nous donner ce qui est moins cher. Non, je vous considère. Pourquoi je vais vous donner pour ce qui est moins cher? C'est pas ma mentalité. Toi aussi, tu bois ça. Tu en as besoin, n'est-ce pas? Pour l'énergie, ça va m'aider aussi à... Pour la peau. Avec la peau. Comme moi, mes taches ne partent pas rapidement. Non, tu fais 0 jansan. Tu fais 0 jansan, c'est normal. Hein? Tu fais 0 jansan. Tu veux que tu fasses? Thank you. Hein? C'est vrai, Amen n'a pas encore parlé. Je vous passe Amen. J'ai commencé à bosser la vache. Ne t'as enlevé la lumière. Non, c'est beau. Moi, de nature, je suis beau. Donc, la soirée s'est très bien passée. Franchement, super soirée. Pour tous ceux qui disaient qu'Oshiga ne chante pas, vous avez vu vous-même. Malgré le problème des micros. Malgré le problème du micro. Et elle chantait en... Moi, j'ai parlé de ça. En semi-live. On a parlé. On a parlé. Donc. Donc, moi, j'ai besoin de parler. C'est bon.
Donc c'est le plus important, le plus important. Là vous allez voir, vous connaissez avec ma bouche, non? Voilà le glutathium là. Donc vous allez voir ça sur moi. Donc vous allez voir l'évolution sur moi. Comme je fais le sport tous les jours. Arrêtez de m'appeler le sport d'escalader. On m'a dit que sur le cas, je ne suis pas le manager. Donc vous avez vu, non? Par contre, le pianiste. Donc voilà, c'est là. Je sais pas. Ces vidéos. Donc franchement, c'était super. Et ce que je vais encore vous rajouter en plus, élevons-nous. Nous sommes des entrepreneurs, nous sommes des auto-entrepreneurs. Allons dans tout ce qui est évolutif. Allons dans tout ce qui est positif. Parce que c'est derrière quelqu'un que quelqu'un est aussi. Donc aujourd'hui, par exemple, je ne pouvais pas imaginer que je pouvais parler de glutathion. Mais comme je suis sportif, là, on va voir l'évolution. Là. Ça veut dire qu'on a dit que non, on a vu un mec quand même commencer avec ça, si on a vu nous-mêmes. Donc c'est très important. Et surtout, le plus important, c'est que ceux qui parlent ne font jamais. Vous critiquez toujours ceux qui font. C'est votre job, c'est de nous critiquer. Nous nous faisons, nous posons des actes. C'est important. Et en plus, on va encore évoluer. Où, ouais, vous savez, la raclette, tout ça. J'adore l'entrepreneuriat. J'aime les gens qui entreprennent. Parce que pour réussir dans l'entrepreneuriat, il faut avoir raté beaucoup de fois avant de réussir. Tous ces milliardaires qui sont là, ils ont d'abord raté. Aujourd'hui, ils ont réussi. On est dans le même chemin. Et nous avons la chance aujourd'hui d'avoir vraiment l'esprit positif. Nous avons la reine mère bio qui vient de loin. Nous avons la gluta qui reçoit. Ça veut dire que n'oubliez pas quelque chose. Nous, on se retire. Nous, on n'est pas dans les clashs. Parce qu'on fait les appels. L'argent n'aime pas le clash. L'argent n'aime pas le clash. Donc, quel qu'en soit ce que vous allez nous dire, ça va glisser sur nous. Parce que nous, l'objectif, c'est d'aller chercher l'argent. Et si vous aimez ce qu'on fait, passez vos commandes au maximum. Je vous le dis. Moi, je vais essayer. Quand ça va marcher sur moi, j'appelle mon père au pays, à mon père que pardon, on va commencer ça. C'est important. Et il y a une place au Cameroun, non? Ah, ok. Donc, Douala, il y a les représentants Douala Yaoundé Konsamba. Donc, je vous dis aussi quelque chose, c'est que mettons les organes dans ce qui est productif. Ne faisons pas parce qu'on voit les autres faire. Faisons parce que ça vient du cœur. L'essence de l'être humain sur terre, c'est l'amour. Sans amour, on ne peut rien faire. Que ce soit en entrepreneuriat, que ce soit en tout ce qu'on peut faire, on ne peut rien faire. L'amour, c'est l'essence de tout ce qu'on peut faire. C'est-à-dire que si je dois entrer dans un business, je dois avoir l'amour pour ce business-là. Donc, c'est important. Moi, mec, amen, on me critique toujours. Oh, les plantations ne donnent pas, j'ai fait les plantations. Oh, le poulailler ne donne pas, j'ai fait. Vous allez me critiquer parce que je suis toujours en train d'essayer. Un jour, ça va passer. Nous donnons la force à ce que nous croyons. Nous ne répondrons plus au clash si c'est pour entacher l'image de Glutaboss. Nous ne répondrons plus au clash. Mais ça ne veut pas dire que tu me mets le doigt dans la bouche, je ne te mords pas. C'est très, 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 très. Et on n'investit pas sur des gens qui ne réussissent pas. On investit sur des gens qui réussissent. Sur des gens qui réussissent. Vous avez vu. Je vais vous dire deux choses. Je vous dis deux, en passant, mon anniversaire, c'est le 1er mai. Mais je vous dis deux choses. La vie, ce sont les opportunités.
Le bloc ne t'offre que des opportunités, mais à toi de prendre la responsabilité de saisir ces opportunités. C'est important. Le bloc et la vie ne t'offrent que des opportunités. C'est à toi de saisir ces opportunités. Compresseur est l'opportunité de représenter. Ça marche. Derrière Compresseur, Amer Kamer est arrivé, Oshiga est arrivé. Aujourd'hui, grâce à Glutaboss, Oshiga a fait une scène africaine. D'habitude, c'était pas dans son truc, mais elle commence à prendre plaisir à le faire. Jugez-nous par nos actes. Jugez-nous par ce que nous posons sur le terrain. Aujourd'hui, nous posons Gluta. C'est très important. C'est très important. Évoluons ensemble. Évoluons ensemble. Faisons les choses positives. Aujourd'hui, tout le monde est gagnant. Les gens étaient complètement étonnés hier de la prestation d'Oshiga. Les gens disaient que, hey, maman. Mais, comme on dit souvent, vous ne pourrez que critiquer ceux qui travaillent parce que c'est votre job. C'est grâce à vos critiques aussi que nous évoluons. Mais la critique doit être positive. Ne confondons pas. Ceux qui veulent rester dans les clashs. Non. Je vais te répondre, number one. Je vais te répondre. L'image. Ce que nous faisons, c'est le marketing. Ce que nous faisons, c'est la publicité. Ne confondez pas. Et je veux que vous le sachiez. Dans le milieu du marketing, la reine mère bio est une valeur sûre. Dans le milieu du marketing, on a vu Compresseur. Aujourd'hui, on connaît Gluta. Je ne connais pas quelqu'un de la toile qui ne connaît pas Gluta. C'est important. On n'investit pas sur n'importe qui. Avant d'investir sur quelqu'un, c'est parce qu'on est sûr et certain que cette personne est une valeur. Parce que ce que nous faisons. Je prends un exemple bête. Si Oshiga avait un mauvais comportement, c'est qu'elle n'aurait pas été là-bas. C'est qu'elle n'aurait pas été appréciée. Vous avez vu comment les gens venaient pour dire que non. C'est important. Laissez les aigris et les jaloux faire leur job. Mais vous, passez vos commandes, essayez et vous verrez. C'est important. C'est très important. Nous sommes dans ce qu'on appelle l'entrepreneuriat. Et dans l'entrepreneuriat, la confiance est un mot-clé. Je mets un produit sur le marché. Je représente mon produit. Vous voyez que la plupart des gens que vous voyez, Glutaboss représente son projet parce que son projet a l'image de Glutaboss. On paye la tête. On sait que ça améliore. Voilà pourquoi on va aller payer. Parce que l'efficacité du produit qu'Amélie pose sur le terrain, c'est très important. Je vais encore aller plus loin. C'est parce qu'Amélie consomme elle-même d'abord son produit. C'est une marque de confiance. Parce qu'il y a beaucoup qui vendent les produits, n'utilisent pas leurs produits. Mais elle le consomme elle-même. Elle organise des ventes privées à travers l'Europe pour que les gens puissent comprendre que là où nous sommes placés, là, nous avons un projet. Et en plus, c'est une seule. Et je vais encore aller plus loin. Quand c'est ton jour de chance, même les obstacles deviennent des avantages. Le jour où c'est ton jour de chance, même tout ce qui est contre toi devient des avantages pour toi. C'est une réalité. Donc, abonnez-vous massivement à la page de Glutaboss. Essayez, commandez pour vos proches, ceux qui en ont besoin, et pour vous-même aussi. Voilà ma part. Je fais le sport tous les matins. Regardez d'abord mon visage de 50 ans. Imaginez-vous, quand je vais commencer à prendre ça demain, le visage de 50 ans va passer à 20, 25 ans. Quand je dis aux gens que j'ai 50 ans, tout le monde dit, mais tu ne peux pas avoir 50 ans. Les gens disent, mais tu ne peux pas avoir 50 ans. Mais c'est vrai, j'aurai 51 ans le 1er mai. J'aurai 51 ans. Les gens me disent, oh, les gens, non. Amer Kamer, c'est quelqu'un, je parle beaucoup. Les gens m'écoutent. J'observe.
on ne combat pas l'avenir, on ne combat pas l'évolution, on ne combat pas la modernisation. Nous avons un produit sur le marché. Et je vous le dis. Moi, je suis en live, on est en train d'écouter ça. On a écrit que Nyandoum a fait quoi? Donc, c'est très important. Très, très. On rentre, on part de Nantes avec la fierté du devoir accompli. Parce que quand je vois beaucoup de gens disent, nous sommes dans un partenariat. Donnant, donnant, gagnant, gagnant. Non, moi je ne mens pas pour mon âge. Je vous ai toujours dit, moi je ne mens pas pour mon âge. Quand je dis que vous, Amérique, je n'ai pas votre âge. Je n'ai pas votre âge. J'ai 50 piges. Donc voilà. Ce n'est pas comme si, non. C'est pour ça que je m'entretiens tout le temps. Tout le temps. Parce que je combats la vieillesse avec le sourire. Je combats la vieillesse avec l'humour. Je combats la vieillesse avec le bonheur. Maintenant, je vais combattre la vieillesse avec Glutabos. Voilà, c'est devant moi, non? Ok, c'est devant moi. Donc, c'est pour vous dire. Donc, c'est pour vous dire. Hier, j'étais ravi de rencontrer Campos. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu Campos. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans l'évolution. Celui qui ne prend pas le train de l'éveil de conscience facebookale et tiktokale, celui qui ne prend pas en considération, celui qui ne prend pas le train de l'éveil de conscience facebookale et tiktokale, avec pour objectif l'évolution de sa communauté, parce que tout le monde a une communauté. Je vois la femme qui est connectée là. La femme fait des efforts à mon égard. Je vois les efforts de la femme. Mais la femme, c'est quelqu'un qui me combattait constamment. Mais avec le temps, elle a fini par comprendre que le gars là, il est stratégique. Donc tu es là, tu fais les commentaires, je vois, j'observe, continue comme ça, tu es dans une bonne lancée. Le simple fait que je n'aimais pas l'avance sur la femme, c'est qu'il choisissait un camp. Aujourd'hui, quand tu es dans le camp de la vérité, je n'appartiens à aucun camp. Oshin n'appartient à aucun camp, elle a son camp. Ici, nous n'appartenons à aucun camp. Notre camp ici, c'est le cap, c'est l'argent, c'est l'évolution. Notre camp, c'est Glutabos. On doit évoluer. C'est très important. Le reste, le chien aboie, la caravane passe. Donc voilà. Vous allez critiquer toujours et toujours. Nous mettons en place une web TV qui arrive. Tout le monde, on fait, tout le monde voit. On fait, tout le monde voit. Aujourd'hui, c'est une fierté pour moi d'appartenir, de côtoyer tout ce monde. C'est un plaisir pour moi de côtoyer Compressor, de côtoyer la Reine Mère Bleue, de côtoyer Oshiga, de côtoyer Glutabo, c'est un plaisir. Parce que les gens étaient fiers de dire que ma Compressor fait la photo, ma Compressor, oh la Reine Mère Bio, j'apprécie. Les gens sont contents. C'est important. Les gens ont vu les ovations qu'on a données à Glutabos. C'est important. Mais, les jaloux, faites votre travail. Tant que vous êtes là, nous allons évoluer. C'est très important. Ceux qui sont déjà devenus amis là, certains autres vont venir. Mais le but, c'est ça. Le bien-être. Le bien-être. Moi, je ne mens pas. Je ne serai jamais. Je veux encore aller loin. Moi, sur la toile, je suis content avec tout le monde. Je serai au conseil de Caresse Photo. J'ai dit que j'offre 10 billets. Quand je fais le bruit, c'est pour qu'on parle du conseil de Caresse Photo. La baronne, c'est quelqu'un que j'apprécie. Quand elle oublie de mettre l'argent, m'avait dit à la baronne que maman, tu as oublié, on a dit que depuis mardi, il n'y a encore rien sur mon musée, comment avec toi? Elle ressort encore, mais j'ai dit que j'ai offert 10 billets aux gens qui vont aller au conseil de Caresse Fosso. C'est ma part de contribution pour la musique camerounaise.
pour qu'on ne vienne pas dire que oh amen, amen. Il dit Geoffrey dit bien, la baronne, pose ton PayPal, je te télécharge à l'intérieur 10 places, l'équivalent de 10 places en PayPal. Comme ça, c'est ma part de contribution pour Caresse Fosso. Il n'y a pas de concurrent dans le milieu artistique. Il y a ce qu'on appelle l'échange. C'est très important. On échange. Hier, on a vu Oshiga échanger avec la grande Ruth Cotto. C'est des chants. Maman, toi, enceinte dedans, comment ça se passe? Caresse Fosso a de l'expérience dans le domaine de la musique. Donc, Oshiga a dit, bah, maman, ça se passe comment? Oui, bien, tranquille, dans toute humilité. L'humilité précède la gloire. N'oubliez jamais ça. Aujourd'hui, l'humilité de Gluta Bossafo aujourd'hui, que voilà ça devant moi, non. Je vais boire ma part, ça me rajeunit même 10 ans. Maman sait que le vagabond là, il va encore me tuer ici dehors. Hein. Makoso, c'est un collègue blogueur avec qui nous discutons. Je rigole toujours. En quand la vente privée sur Toulouse. Oui, ça elle va vous organiser. En principe, écrivez-lui, faites-lui des propositions. C'est aussi ça. Faites-lui des propositions. Parce qu'une vente privée, ça ne s'organise pas comme ça. C'est de l'argent. Quand on organise une vente privée, c'est pour étendre son domaine, mais pour étendre en faisant entrer de l'argent. Quand tu demandes à Caen pour à Toulouse, aller vers Gluta Boss, j'irai avec elle. Et elle va vous répondre. Je pense même que ça sera une fierté pour Gluta Boss d'être représenté dans toute l'Afrique, dans toute l'Europe. Vous pensez que sur Gluta Boss en haut, nous-mêmes on est derrière, on est en haut. Et voilà. Non, Nana, je suis l'un. Il dit que je suis un blogueur très simple. Très simple. Ma part ne part pas loin. Oui, ma vie. Pour tous ceux qui veulent contacter Gluta Boss, parce que tu ne peux bien parler du produit de Gluta Boss quand ça a fait l'effet sur ton corps. Là, tu parles bien du produit. C'est important. Donc voilà. Et avec le temps, on évolue petit à petit. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Le plus important, c'est d'avancer. Je pousse, je mets la cale. 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 C'est très important. Donc, moi, ça m'a fait plaisir, mon séjour en Nantes. Ça a permis que les gens arrêtent. Je ne sais pas, mais je ne sais pas si sur la place, on peut payer par PayPal. On peut payer par PayPal sur son site. Oui, on peut payer par PayPal. Oui, on peut payer par PayPal sur le site de Gluta Boss. On peut payer par PayPal. Donc, ça a permis. Hein? C'est une femme qui demande si on peut payer par PayPal. Donc, ça a permis aux gens de voir Oshiga en scène. Vous avez vu? La personne ne parle plus. Personne ne va plus dire maintenant que oh, Oshiga, non, non. Et en plus, elle ne passait pas en playback. En live, semi, on appelle ça comment? Live et semi-live. Live et semi-live. Je fais les deux. Mais voilà. Oui, la paix du long, merci pour les diamants bleus. Donc voilà. Non, Oshika a déjà fait un playback dans ma ville. Elle a déjà fait un playback dans ma ville. Ah ok, ok d'accord, ok number one, je ne savais pas. Non, pour tous les revendeurs de Gluta Boss, deux fois quand je suis en ligne, vous pouvez écrire, je vais épingler. Vous écrivez que oui, Amer, je suis revendeur de Gluta Boss à Toulouse. Pardon, voilà mon contact. Fais la pub. Je vous fais, ça ne me cause aucun problème. J'ai dit ça à tous les filles. J'ai dit ça à toutes ces femmes. Si tu es revendeur de Gluta Boss, quand je suis en ligne, tu me dis sur ma mère, quand je suis revendeur de Gluta Boss, voilà, dans tes, dis que je suis dans tes zones, je vous fais la publicité. C'est simple.
parlez toujours de ça autour de vous. Parlez autour de vous. Et tu ne peux bien parler de gluten que si tu as consommé du gluten. Tu auras une autre aperçu. On est obligé de mettre à la vente de gluten sur TikTok. C'est Eva Weekend qui écrit ça. Amen. Allons. Eva qui se met à la vente. C'est quelqu'un qui a écrit ça là. Eva Weekend, là, pardon. Une mouche de plusieurs là. Non, ce n'est pas Eva Weekend qui a écrit ça. Oh. Non, Eva Weekend, non, c'est Alphonsine. Par contre, Eva Weekend a écrit autre chose. Je pense que c'est un pas positif pour toi. C'est 4 ans de pousse. Quand j'ai commencé la musique, je suis sur un lundi, tu vas voir comment je suis venu. Ah, Natacha, tu étais là. Au Chiga, je t'ai trouvé timide hier. C'est la chanson aussi qui fait ça. Vous ne pouvez pas dire Koshiga un talent et dire Koshiga clash. Les dix ponces clash. Koka Janté clash. Lunga Lunga clash. Fingon Tralala clash. Le problème c'est que, et je vous le répète, vous reprochez au Shiga quel clash parce que Shiga clash votre personne. Mais sinon, quand c'est d'autres personnes là-bas, vous ne parlez pas de ça. Quand les Lolomayan faisaient la talakou de Shiga là, elle ne disait pas Koshiga clash. Quand ça se retourne contre toi, c'est comme la trahison. Ouais, je suis plein. Maman, j'ai mangé et tu n'as même pas aidé. Et quand mon ventre, regarde le bout, j'avais les abdos hier. Non, pardon, ramène mon singe là-bas, s'il te plaît. Ramène mon singe là-bas, s'il te plaît. J'avais les abdos hier, quand je suis venu, j'avais les abdos. Regarde, le ventre est sorti. Joe la fleur. Tu dis, tu dois se mettre au travail, sa présentation n'était pas. Tu vois un peu. Quand je te vois, quand la manière que tu écris, soit tu abeilles. Toi, tu es le Lomaya. Simple. Il n'y a pas, on ne peut pas chercher le midi à 14h. Aussi, qu'elle fait la plus belle prestation, plus que la personne. Ne confondez pas les anciens succès et la réalité. Ok, merci. Ok, nous sommes pas, nous on bouge en même temps. Comme toi, tu as. Elle a déjà son train, j'ai prévu. Ok, attends, tiens, bon. Mais tout est en. Nous sommes près des puits, c'est vous. Bon, mes gens, merci, non. On va prendre la route là maintenant. Puis, je vais dormir jusqu'à. On est fini. Tu as tout mis, hein? Ma bosse. Ma bosse. Ma bosse, tu as tout mis, hein?
bon, je vous laisse, non. Amen, quand même, vous avez tout dit. Et Amen, quand on ouvre ça, ça se conserve au frein. Hein. Ouais. C'est pour ça que moi, je voulais qu'on donne le jeu. Oui, si tu t'es ouvert. N'ouvre pas, il ne faut pas ouvrir. Hein. Non, ça c'est pas pour moi, mais ah. Ce que je lui avais acheté, je lui avais tu pas. Tu ne l'as pas dit qu'elle se conserve au frigo. Non, mais bon, elle a forcément lu, est-ce que c'est écrit dessus?